Coucou les loulous, je sais pas, ça fait un moment que je vous ai pas parlé face caméra. Ça fait, en tout cas c'est, je pense, au moins un peu plus d'un mois. Je vous ai fait la dernière vidéo face caméra où justement c'était je me mets à nu pour vous, pour mon bilan pour vous. Depuis, je n'ai pas du tout fait de bilan, du moins si j'ai fait quelques bilans médicaux, mais j'ai pas fait de bilan face caméra. Je ne me suis pas livrée à vous face caméra. Et du coup, je me suis dit pourquoi je ne me livrerai pas à vous face caméra. Pourquoi je vous raconterai peut-être le parcours ici et là. Voilà. Plein de trucs comme ça. Alors, si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai Lily qui dort. Donc, la chienne qui dort à côté de moi. Et elle ronfle. Et j'ai mon chien, donc Lasco, qui dort aussi à côté. Donc, en fait, je suis entourée de ronfleurs. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu le parcours que j'ai fait? Si vous vous rappelez pas, allez dans mes vidéos, remettez pause, allez dans mes vidéos et regardez toutes les vidéos sur mes bilans. Comme ça, vous pourrez voir et communiquer sur justement tout ce qui est mon parcours. Donc, les changements qu'il y a eu donc depuis la caméra, la face caméra, où je me mets à nu pour vous. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Alors, j'ai eu des bilans. J'ai eu un bilan par rapport à ma ceinture abdominale pour mon maintien. J'ai eu donc ma ceinture. Ça y est, elle a été changée. Donc, j'ai perdu entre la fois où j'ai fait ma ceinture et la fois où j'ai été chercher ma ceinture, j'ai perdu 2 cm de tour de ventre et de hanche. Ce qui est énorme, c'est... Parce qu'en fait, il faut savoir que je vais là-bas. Donc, je fais mon rendez-vous, il me mesure et tout. Et il me dit, vu comme je sais que tu vas perdre vite et tout, je prends 2 cm. Donc, à la taille, déjà, ma taille à moi, il m'a enlevé 2 cm. Mais il m'a re-enlevé 2 cm derrière. Et il me dit, toi, tu les auras perdus d'ici là. Et ah bon, t'es sûr et tout. La meuf inquiète. Hein. Et j'ai été essayer ma ceinture. Et il me fait, tu vois, je te l'avais dit, tu rentres dedans. J'étais clouée, j'étais choquée, clouée. Mais la meuf. Lasco, arrête! Non, Titi! J'ai mon chien qui est vexé parce que je suis à la caméra et que je m'occupe plus de lui. Monsieur va renverser sa gamelle de croquettes. M'énerve quand il fait ça. Et là, il sait qu'il se punit tout seul. Il s'en va derrière le rideau contre la baie vitrée. Il fait comme ça, là. C'est mon chien. Non, ouais. Donc, j'ai perdu encore des kilos. Donc, poids du départ, août. Donc, je redis bien, hein, août. Donc, août, c'est pas mon opération. L'opération était au mois d'avril. Août, 188 100. L'opération, 158 800. La veille de l'opération, le jour de l'opération, quoi. Aujourd'hui, nous sommes à... Je ne me suis pas pesée depuis un moment, mais la dernière pesée, j'étais à entre 107 700 kg et 800 et 108 kg. Donc, en fait, ça tourne, ça varie, sachant que bah, j'étais poussée d'hormones. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Voilà, donc je suis super, super contente de moi, de mon parcours. Faut savoir une chose, c'est que je pensais pas du tout en arriver là. Hein. Je pensais pas déjà pour moi arriver à 140 kilos. J'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré. 140 kilos, j'en ai pleuré. 130, je les ai pas vu passer en fait. J'ai fait 140, ça va. J'ai pas vu les 130. 120, j'en ai pleuré. J'étais hyper contente, hyper émue. C'était la fête, c'était fa. J'ai pas vu les 110 non plus. J'ai fait 117. J'ai vu les 114. Et 109. Ceux-là, je les ai vus. Et j'ai fait choquer 109 kilos. Ça fait un bail, je les ai pas fait. Hein, sans vous mentir, ça fait très 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 longtemps. Donc voilà, j'ai pas de souvenir d'avoir fait ce poids-là il y a longtemps. Et du coup, j'ai été au médecin, on a fait un bilan et tout. M'a pesé, je faisais entre 107 700 et 108 kilos. Ben, je peux vous dire que je suis hyper fière de moi, je suis contente.
Je vois qu'il y a plein de choses qui changent, que ça soit physiquement, mentalement et tout. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous parle, c'est par rapport à tout ce qui est projet après l'opération. Donc, pour ceux qui savent ma vie, qui savent mon parcours, ils savent peut-être ce qui m'est arrivé avant, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, ce qui m'est arrivé avant, qui m'est arrivé il y a plus d'un an, il y a 1 an et 2 mois. Non, 1 an. Il y a eu 1 an, début décembre, donc oui. Il y a eu 1 an là. Pour d'autres quelques mois. Voilà. Des trucs qui font remonter des souvenirs, qui font remonter des angoisses, qui font remonter plein de choses. Je suis pas là pour blablater sur un passé ou pour blablater sur des souvenirs ou quoi. Je ne veux pas en parler, j'en parlerai pas pour le moment, j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est des choses qui m'ont assez traumatisée et assez fait de mal. Je me suis entourée à ce moment-là des personnes qui me semblaient pour moi être les meilleures. Malheureusement, ils sont plus là aujourd'hui, donc j'ai plus mes repères. J'ai pas mes repères. Mes repères sont complètement plus là. Donc déjà, j'ai perdu mes repères, mais j'ai perdu les personnes avec qui je pouvais parler. Donc voilà. On verra avec le temps, mais je voulais vous parler des projets que vous pouvez avoir après l'opération. Donc il faut savoir que avec mon homme, on a des projets donc d'avoir des enfants, on a des projets d'avoir notre propre maison, pas en tant que locataire, être propriétaire, avoir des choses ensemble à nous deux, parce que là on est locataire, mais on a plein de choses qui sont à nous deux, mais on veut vraiment fonder notre famille, fonder notre vie et voilà, avancer. Il faut savoir que moi, mon homme, je l'aime énormément, je le respecte et pour moi, il a été là avant, il a été là pendant, il est là après l'opération. Il est la personne qui arrive à haut, à me remonter le moral et à me dire mais arrête là, c'est bon, déprime pas pour des cons, déprime pas pour si. Voilà, plein de choses. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que plein de monde ont tout fait pour nous séparer, ont joué avec nos sentiments, ont joué avec nos faiblesses pour faire ce que eux ne pouvaient pas. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir. Mais il y a peut-être pire dans l'histoire, c'est que pour d'autres ceux qui se sont seront blessés et resteront sur place. Nous, on a avancé, en fait, on a évolué, on a nos projets, et on a dit, bah, nous, on veut nos projets avant tout, ce que je trouve normal. Donc voilà. Donc par rapport au projet, donc je reviens à ma phrase par rapport au projet. Nous, on a le projet 1, c'est avoir notre maison, avoir notre enfant. Et ça fait un moment qu'on essaye, hein, on essaye d'avoir des enfants et tout. Sauf que là, ça fait 3 mois qu'on essaye. Ça vient pas. Ça vient, ça tient pas. On va dire ça plutôt. Je fais des chutes, donc je fais des malaises, donc je fais des chutes. J'en demande trop à mon corps. Du coup, mon corps, il me dit non, toi, tu pourras pas. Ça tiendra pas. Ça tient pas. On a pour projet, oui, d'avoir un enfant. Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas. On veut, mais voilà. Donc, parce que l'on m'a demandé de faire un bilan sur ça, sinon j'en aurais pas parlé. Parce que je ne veux pas que mon entourage soit au courant. Parce que moi, le jour où je suis enceinte, en fait, ça ne sera pas comme ça. Ça sera à moi, c'est les personnes qui sont autour de moi, les personnes concernées, oui, mais sinon, non. Parce que je vois pas pourquoi je divulguerai ma vie privée, sachant que ils n'ont pas été là avant, ils ne sont pas là, ils n'ont pas été là présents, ils ne seront peut-être pas là après, pourquoi je leur divulguerai ma vie.
Après, vous y êtes pour rien, hein. C'est voilà, c'est, je suis devenue beaucoup mise de côté et je me mets beaucoup de côté. Donc voilà, et cette vidéo, je la fais, je la dis, mais je ne compterai pas vous dire tous mes rendez-vous, toutes mes avancées par rapport à ça. Mais par contre, pour tout ce qui va être maison et tout, il n'y a pas de souci, vous suivrez nos aventures. Vous aurez toutes les aventures que vous voudrez par rapport à la maison, mais par rapport à tout ce qui va toucher enfant, pas pour le moment. Voilà. En temps, peut-être qu'en temps, le jour où je le serai, vous serez au courant et tout. Mais pour le moment, je pense pas, j'ai pas envie de divulguer à tout le monde. Donc voilà. Et en revenant à ça, on peut avoir des difficultés, vous savez, tout ce qui va être hormones et tout après l'opération, vu comme on a perdu beaucoup plus de kilos, il y en a qui arrivent à tomber plus facilement enceinte, d'autres non, d'autres oui, d'autres non. Donc moi en fait, dans la vidéo là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la personne qui s'est fait opérer pour qu'elle tombe plus facilement enceinte. Donc il y a plein de tutos, plein de documents et tout sur Google pour justement expliquer et tout. Mais sur YouTube, vous n'avez pas quelqu'un de professionnel qui va vous dire tu veux tomber enceinte, tu t'es fait opérer, donc il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut le faire comme ça. Mais tu veux tomber enceinte là maintenant? Il faut pas faire ça, hein. On n'a pas ça sur YouTube. Vous n'allez pas avoir un médecin qui va vous dire ou un professionnel qui va vous dire, voilà, aujourd'hui. Non, 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 vous n'allez pas avoir ça. Et en fait, c'est peut-être ce qui manque à YouTube, en fait. C'est qu'on devrait avoir des professionnels qui se mettent à disposition, donc des particuliers, pour pouvoir devenir parents à notre tour. Parce que nous, on est beaucoup sur YouTube, on suit beaucoup des YouTubeurs et YouTubeuses. Mais moi, là, c'est pourquoi j'ai repris j'ai refait une chaîne YouTube. Pourquoi j'ai repris ma chaîne YouTube et que je ne la tiens pas bien. Je suis désolée, parce que ça, je m'en excuse. D'un, c'est parce que, comme vous le savez, avant, il y a quelques années, donc avant que je me fasse opérer, j'avais une chaîne YouTube où il y avait tout ce qui était tuto. Raconter un petit peu ma vie et tout, mais je ne vous parlais pas, vous me voyez pas trop en fait, et je ne me parlais pas de ma maladie. Et depuis le jour où j'avais fait sur mon ancienne chaîne un tuto, non, c'était pas un vlog, c'était pas un tuto, c'était plutôt je vous expliquais ma maladie. Et ben, plein de monde sont venus me dire, c'est bien, t'es fort, t'as du mental et tout. Tout le monde me dit, ouais, je sais pas comment tu fais, t'as un mental, t'as tête, t'as tête. Tout le monde me dit ça, hein. Parce que arriver à 180 kilos et venir là où j'en suis en un an. Après, quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut savoir se battre et savoir ce qu'on veut, ambition et tout. Moi, mon ambition, c'est voilà, hein, c'est ma vie, mes projets. Et du coup, c'était ma santé avant tout. Donc, du coup, j'ai voulu faire ma opération pour ma santé, pour moi. Mais vu comme j'ai des projets derrière, d'avoir ma maison, d'avoir mon enfant et tout, avec mon homme, bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est encore plus une envie de se battre pour. C'est coco, tu manges équilibré, coco, tu vas à la salle de sport parce que si tu veux ça, il faut faire ça. Point. Je vais pas, comment dire, je vais pas me pousser des objectifs que je sais que je ne vais pas tenir. Là, ça va être plutôt, je vais tout faire pour essayer d'avoir des objectifs et essayer d'avancer, essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Donc, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de me renseigner comme je peux. Donc il y a ça comme projet. Et puis il y a mon entreprise derrière. Voilà. Vous avez peut-être compris à ma tête ce que je voulais dire. Alors pour vous expliquer mon entreprise, oui j'ai une entreprise, oui je suis photographe professionnelle à mon compte. Le seul hic, c'est les petits cons qui vont tout faire pour me rabaisser, pour me pourrir ma vie.
Du coup, c'est là que c'est compliqué, c'est là que c'est dur et c'est sur ça qu'en fait j'ai du mal en fait. Parce que moi je fais chez personne, je suis dans mon coin, je suis à part et je comprends pas pourquoi telle et telle personne vont venir me faire chier, sachant que moi je me mêle pas de leur vie privée. Mais bon, je me baserai pas sur plein de choses. Désolée, je regarde en même temps, j'ai plus de pétrole, il va falloir que j'aille carrément chercher du pétrole. J'en suis. Désolée, je suis complètement caputa da la bouilla. C'est la phrase préférée de mon petit cousin quand je le gardais, la caputa da la bouilla. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. Il me disait ça. Du coup, c'est resté. Même ça veut rien dire, c'est resté. J'ai mon bébé, il me fait un câlin. Il est venu se mettre contre maman, il a froid, mon bébé. Oui, on va aller au garage chercher du pétrole. Mon petit cœur. Ah non, mais. Voilà. Donc, pour mon entreprise, vous allez avoir des vidéos. Alors, je sais pas, c'est avant les fêtes ou après les fêtes, on verra. Parce que j'ai plein, plein, plein de vidéos en cours dans ma tête. J'ai plein de projets dans ma tête, mais il faut les ambitions. Il faut les réaliser. Pas les ambitions, parce que je les ai. Il faut les réaliser. Donc, là, je vais. Mettre tout en place pour que cela bouge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que cela vous permet de voir un petit peu plus de ma vie. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes.